Après les drames du mois d'avril, un calme inquiétant s'installe en mai. Jusqu'au 22. Ce jour-là, une énorme tornade se forme. Et la ville de Joplin, dans le Missouri, se trouve directement sur sa trajectoire. Ma fille est arrivée en courant, en disant qu'une tornade approchait et qu'il fallait raccompagner sa copine. Ayant grandi dans la région, Tim Bartow a l'habitude des tornades. Pourtant, même lui est pris de court devant la violence du phénomène. Au bout de quelques minutes, on a entendu les sirènes. Ça approche! Allume la sirène! Allume la sirène! La tornade dévaste la périphérie sud-ouest de la ville. Il faut partir tout de suite! Tim Bartow et sa famille se réfugient dans la cave juste à temps. Au moment où j'arrivais aux escaliers, le coin de la cuisine était arraché. On dit souvent que les tornades font un bruit de locomotive, mais c'était une dizaine de locomotives. Il y avait des débris, de la terre, de la boue, de la pluie, du verre, des cailloux, des briques qui rentraient par la porte et qui volaient autour de nous. C'est là que j'ai réalisé que la tornade était juste au-dessus. On entendait que les murs de la maison étaient en train d'être arrachés. Et je me suis dit, la seule chose qui nous sépare du vortex, c'est un plancher en bois de 2,5 cm d'épaisseur. Bien sûr, toute la famille pleurait. Tout le monde était hystérique. Je vous aime tous très fort. Nous aussi. Des courants ascendants soulèvent toutes sortes de débris, et même des maisons ou des voitures. C'est un environnement instable, sombre et très dangereux. Les tornades sont une des forces naturelles les plus dévastatrices. Joplin a été directement frappée par une tornade de catégorie 5, les tourbillons les plus destructeurs. Tout le sud de la ville a été rasé. Les maisons ont disparu. Il y aura forcément des victimes. Il n'y a plus rien. Plus rien. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point c'était grave. Regarde les maisons. C'est quand on est sorti de la cave que j'ai pu voir ce qui s'était passé. Dans une tornade de catégorie 5, le vent dépasse les 320 km/h. Et l'énergie dégagée équivaut à l'explosion de 10 tonnes de TNT. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Viens là, ma jolie. La maison avait disparu. Et il y avait des débris d'autres maisons dans notre cuisine. Et puis, on voyait des piles de débris avec un bras ou une jambe qui dépassait. Presque toute la famille a fondu en larmes. La tornade de Joplin a fait 158 victimes. C'est la plus meurtrière dans l'histoire moderne. C'est aussi la plus dévastatrice sur le plan matériel. Les dégâts dépassent 2,8 milliards de dollars. 758 tornades sont recensées en avril 2011. Un record.